Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ce soir et bienvenue sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est une émission de développement personnel, de connaissance, de soins, de spiritualité, sur les ondes de la boutique de l'invisible, comme Radio Amitié, les 100 FM, où chaque mardi j'interviens. Mesdames et messieurs, je suis encore là pour vous annoncer le dernier séminaire de l'année. Le dernier séminaire de l'année aura lieu le samedi 13, à partir de 9h. Ça veut dire samedi 13 ans 2021 à partir de 9h au sein de ma résidence comme j'ai l'habitude de le faire. Ce séminaire a pour thème les préparatifs pour avoir une bonne année. Les préparatifs spirituels pour avoir une bonne année. Parce que tout se prépare. Le hasard n'existe pas. Comme nous le savons dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Et chaque année est un changement de cycle. Nous étions dans un cycle karmique, pour ceux qui le savent. Et nous partons maintenant à la fin d'un cycle karmique. Cela nécessite quand même quelques précisions, quelques enseignements pour pouvoir avoir vraiment une bonne année. Donc ce samedi 13, j'organise ce séminaire qui aura vraiment beaucoup de choses à donner, comme j'ai l'habitude de le faire. Comment avoir une bonne année? Vous voyez, l'année 2022 est basée sur l'aigle. L'aigle. Vous voyez, il y a un changement dans la vie de tout être humain. Normalement, chaque année, les choses doivent changer dans la vie de chacun. Mais souvent, les mêmes choses, on les traîne. Dans les mêmes années, les choses ne vont pas et les mêmes choses continuent jusqu'à... Souvent, on ne sait même pas comment aborder certaines choses parce que même pour entreprendre, on a peur. Parce qu'on se dit quoi? On va commencer, peut-être qu'on ne va pas pouvoir vraiment aboutir. Tout ça là, si tu as commencé une bonne année, les choses peuvent aller pour toi. Donc il y a les secrets que je vais donner au sein du séminaire, des grands secrets, les bains de purification pour avoir une bonne année, les méthodes, les prières pour rentrer dans l'année. Parce que très souvent, quand l'année finit, le dernier jour de l'année, les gens ne savent pas comment vivre ces jours-là. En tant que ces jours-là est un jour important. Le dernier jour de l'année est un jour important. Les trois premières semaines de l'année est très important. Les sept jours de l'année est très important. Ça veut dire que quand je parle de l'année, du fin d'année, est très important. Maintenant, la nouvelle année, les 12 premiers jours de la nouvelle année est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle prière faut-il faire? Quel comportement faut adapter? Tout ça, je vais vous expliquer au sein de ce séminaire qui aura lieu le 13. Donc je demande à toutes ces personnes qui sont amoureuses de la spiritualité, qui veulent savoir toujours le pourquoi des choses, de ne pas hésiter à venir assister à ce grand séminaire qui aura lieu le 13 au sein de ma résidence. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, on va tout faire pour mettre le séminaire en image. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire pourront quand même avoir quelques enseignements. Mais il faut vraiment me contacter pour s'inscrire. Pour ceux qui veulent avoir les enseignements, ces mêmes enseignements aussi, on peut vous donner ces enseignements-là. Et il faut d'abord s'inscrire d'abord, c'est ce qui est important. 2022 est une année quand même qui va être très fluide. Mais c'est la fin d'une année karmique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année est basée sur l'aigle. L'aigle, quoi? L'aigle, c'est l'oiseau qui se renouvelle, qu'on appelle l'oiseau phénix. Et à partir de 40 ans, il perd un peu sa force. Et il va rentrer dans la montagne pour aller quand même prendre sa force pour revenir et renaître de nouveau. Ça, je ne vais pas expliquer, mais au cours du séminaire, je vais rentrer dans les détails. Nous sortons d'une année karmique. Nous allons recommencer un nouveau cycle. Cela nécessite vraiment beaucoup de spiritualité, beaucoup d'enseignement. Et des techniques et méthodes pour avoir une bonne année. Donc c'est toutes ces techniques et ces méthodes-là que je vais vous donner. Comment purifier sa maison? Comment apporter un changement dans sa vie? Tout ça, je vais vous donner tous ces secrets et ces méthodes-là au cours de ce séminaire. Donc le 13, c'est un samedi. Samedi 13, à partir de 9h. Pour toutes ces personnes qui veulent vraiment assister, n'hésitez pas à nous contacter. Et déjà s'inscrire. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent avoir les images, ou soit qui veulent avoir les audios,
n'hésitez pas à nous inscrire ou bien soit à nous appeler par via WhatsApp pour faire vos réservations. Et quand c'est comme ça, on sait combien de personnes qui veulent avoir aussi le séminaire. Parce que ce séminaire est très important parce que nous avons vécu 2 années successives karmiques. 2 années karmiques de façon successive. Et nous sortons de cette année karmique par la fin de l'année et nous allons rentrer dans une année plus fluide. Donc cela nécessite vraiment beaucoup de techniques pour pouvoir vraiment aborder l'année. Et cela nécessite vraiment des secrets pour avoir une bonne année. Et c'est tous ces secrets, ces méthodes-là que Gloria va vous donner. Donc le 13, je rappelle encore, j'ai déjà annoncé, mais j'annonce encore pour ce 13 novembre. En tout cas, je demande à toutes ces personnes qui sont amoureuses de la spiritualité de ne pas hésiter. Je suis un peu fatigué, comme vous le voyez, actuellement l'année tire à sa fin. Donc il y a tellement de prières, il y a tellement de rites, il y a tellement de visions à distance et autres. En tout cas, je suis en train de travailler. Donc cela, je ne vais pas être trop long. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une nasie un peu sur les paroles parce que je suis un peu fatigué. Mais il fallait que quand même j'annonce. Et puis bon, j'aurai au moins 2 jours de repos. Et j'aurai au moins 2 jours de repos pour vraiment me reposer. Et puis bon, nous allons quand même vous faire le séminaire par la grâce de Dieu. Je pense que tu iras bien. Donc je ne vais pas être trop long pour cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à venir et retenez une seule date, le 13 à partir de 9h, aura lieu le séminaire, le 13 novembre 2021, pour pouvoir préparer 2022. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis vraiment, comme je suis fatigué, je l'ai dit, je ne vais pas être trop long, donc vraiment à bientôt.